الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Louange à Allah, nous le glorifions, nous demandons son aide et implorons son pardon. Nous croyons en lui et en lui nous passons notre confiance. Nous cherchons protection auprès de lui contre tout mal venant de nous-mêmes et contre le méfait de mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer, et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. L'épreuve de la tentation de l'argent. Frères et sœurs de la foi et de l'islam, Allah Azza wa Jal a appelé l'argent dans le noble Coran, le bien ou encore la richesse, comme il est venu dans ses nobles versets. Allah Azza wa Jal dit: on vous a prescrit, quand la mort est proche de l'un de vous, et s'il laisse des biens, de faire un testament en règle en faveur de ses pères et mères et de ses plus proches. C'est un devoir pour les pieux. Ou encore, l'exalté subhanahu wa ta'ala dit, parlant de l'homme, et pour l'amour des richesses, il est certes ardent. Faites preuve de piété, serviteur d'Allah, ne vous laissez pas entraîner par ce bas monde, ses plaisirs, ses biens et ses richesses, au point de vous écarter de l'adoration à Allah Azza wa Jal. Allah tabaraka wa ta'ala vous réserve ce qu'il y a de mieux. Allah Azza wa Jal dit dans le noble Coran: tout ce qui vous a été donné est la jouissance éphémère de la vie ici-bas et sa parure, alors que ce qui est auprès d'Allah est meilleur et plus durable. Ne comprenez-vous donc pas? L'argent, si le croyant l'obtient d'une voie qu'Allah a rendue licite et qu'il l'utilise dans ce qu'Allah agrée, ce sera une aide pour son au-delà, car il sera une cause pour gagner des récompenses de l'au-delà. Ce sera donc une bonne aide pour ce qui est de son intérêt au jour du jugement, tout comme il est une aide pour ce qui est de son intérêt dans la vie d'ici-bas. Quant à celui qui l'obtient injustement et l'a donc acquis d'une voie interdite, il sera privé de cette bénédiction. Il sera semblable à celui qui mange et qui n'est jamais rassasié. Même s'il dispose de beaucoup d'argent, il sera chargé de ses péchés au jour du jugement. L'argent, chers frères de foi et de l'islam, n'est pas dans tous les cas blâmé. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quel bienfait que l'argent licite pour l'homme vertueux. L'homme vertueux qui obtient son argent d'une voie licite et qui le dépense dans les voies de bien, quel bienfait que cet argent pour lui. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, hadith rapporté par Muslim, a dit: certes, ces biens matériels sont comme des fruits frais qui sont doux et plaisants. Celui qui obtient les biens justement et qui les utilise justement, quelle bonne aide que sont ces biens. Et celui qui les obtient injustement est semblable à celui qui mange et qui n'est jamais rassasié. L'argent ne doit pas être un objectif mais un moyen. Souvent, le moyen peut être qualifié de bon ou de mauvais, selon ses conséquences et ses finalités. L'argent doit être dans la main et non pas dans le cœur. Il faut le manipuler et ne pas le laisser vous manipuler et vous éloigner de l'adoration d'Allah Azza wa Jal, qui dit dans son noble livre: on a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent, femmes, enfants, trésors thésaurisés d'or et d'argent, chevaux marqués de bétail et champs. Tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente, alors que c'est près d'Allah qu'il y a bon retour. La volonté d'Allah a rendu les uns riches et les autres pauvres, afin que la vie prenne son cours normal sur terre. Allah Azza wa Jal dit dans le noble Coran: en vérité, ton Seigneur étend ses dons largement à qui il veut ou les accorde avec parcimonie. Il est, sur ses serviteurs, parfaitement connaisseur et clairvoyant. Ainsi donc, sache, celui qui a fait de toi un homme riche ou pauvre peut faire de toi ton contraire. Car si tous les hommes étaient riches ou tous pauvres, leurs intérêts communs cesseraient. La richesse ne doit pas nous détourner de l'adoration du Créateur Azza wa Jal, qui est l'objectif principal de notre création. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah le Très-Haut a réparti entre vous les nobles caractères comme il a réparti entre vous votre subsistance. L'amour de l'argent et de ses biens de ce bas monde est l'une des grandes maladies du cœur, elle doit être combattue. Cependant, Allah peut éprouver son serviteur par la pauvreté ou autre, mais il n'est nullement demandé aux musulmans de vivre pauvres. La pauvreté n'est pas valorisée en islam. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la pauvreté extrême mène vers la mécréance. Il nous a demandé d'invoquer la protection d'Allah contre la pauvreté. Sachez aussi qu'être riche ou aisé n'est surtout pas un signe de quelconque agrément ou satisfaction d'Allah. Ça pourrait être que du contraire. Lisez si vous voulez l'histoire de Qarun. Allah Azza wa Jal dit à son propos: en vérité, Qarun était du peuple de Moïse, mais il était empli de violence envers eux. Nous lui avons donné des trésors dont les clés pesaient lourd à toute une bande de gens forts. Son peuple lui dit: ne te réjouis point, car Allah n'aime pas les arrogants.
Dans ce hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, Allah azzawajal accorde le bas monde à qui il agrée et à qui il n'agrée pas, et il n'accorde la religion qu'à celui qu'il agrée. Voilà, frères et sœurs de la foi et de l'islam, prière et salut d'Allah soit sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour du jugement dernier. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.